Voilà pour Stade de Martyrada le 25. Namoni de Jean Baté Bamakila partout dans Stade. Mon rebond. Problème mon corps et Bimi Wana. Et problème Wana tant que Bimi, Ngambounion soye na moutou artiste. Kozala na moutou ya héritier Watanabe. Oui, ya moutou artiste. Et Kozala vraiment nion soye na moutou nae. Je vis des gens pleurer. Ok. Namoni Batou Baléli. Batbazo Lela. C'est un sacrifice au Batbaza pour ses salem. Azan a l'un de ses proches au Azo monté Koumea et Ebite. Alors, en étant créature de Dieu, je veux dire aussi à l'artiste, Azala très prudent, Naba proche. Azala très prudent, Naba tout Bazoza Pembe Nae. Avec tout mon respect, le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit ceci de vous dire. Vraiment, pour l'Est, il faut vraiment que je sois vraiment temps à prier pour Nango. Parce que j'étais en train de voir le sang qui va continuer à en couler. Alors Dieu m'a dit ceci. Pour que Bitumboana la Est est si là. Il faut d'abord que notre président atteléma d'abord dans prière lui-même. Parce que je voyais, namoni batu bakoti. Namoni basoda bakoti. Mais basoda wana bakoti, balati bilamba ya rouge. Na uni comme ça au monde basoda. Mais sur le plan spirituel, je le voyais balati bateni ya rouge. Et lorsque balati bateni ya rouge, il cherchait en sorte que Bakota va récupérer Est. Et Bazo le va bien, tant Bakota kiki. Ceux qui t'ont gagné Est, t'auront gagné aussi président. Aux considération exacte, vraiment, il y a guerre au. Parce que une fois que guerre, il y a Est et continue, boye bango guerre et Kota si na capitale à Kinshasa. Parce que lorsque j'étais en train de prier, je voyais dans mon esprit. Namoni molili makashi ekoti. Pendant que molili wana ekoti, après comment na molili wana, j'ai vu le sang. Namoni makila et sopani partout. En RDC, je voyais en fait makila partout en fait. Na fin de l'année oyo namoni ba sacrifice makasi. Namoni bat kokufa makasi na fin de l'année, non seulement mois de décembre, mais au côté janvier ti février. Je suis en train de voir une catégorie des enfants. Mais la moni bat bakoufi, mais ming min na koufi ba, na moni bat bakoufi ya bala miki. Dans les belles barokoufa, la zomo na vraiment bando kouf, le roi l'épidémie moromboui. Et rosa l'épidémie dé. Et rosa la juste fièvre et raya moutier, mais après les enfants vont mourir. Bazo luka ming ba sacrifice à ban. Surtout ban au bazana ba étoile ya makasi. Bana orphelina fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisi la pepa muto ezana mutima mawa oyo ezana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina fida na 1 dollar a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyoso bana mukino mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina fida na 1 dollar ya pamba nzambe ko pambola yo ako songisi la yo ebele pona nini oye ko soutenir borfelin na 1 dollar na yo na 1 dollar na biso en tout cas eko liesa bana bitike po ba fete na décembre oyo orphelina vida bazana posa na biso ndenge bana biso ba vivra na ndako ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre yo muto yo karama. Parce que jusqu'à là, Thomas, il a dit. Un dollar seulement. Franc congolais, Zana Mopaka, 2000 francs. Pour la ressource, orphelin, pas fêté, bonne année, netikaka, bananioso, au bazar Wanda pour ma parent. Ce qui te sent, il est belé, il y a un dollar dans le bisou. Vie à Banawana. Alors, ceux qui ont fait ça, ils ne peuvent pas y avoir un récompense. Orphelina vida,
bazana posa na biso. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année et komi pembeni. Baza kosenga na bino oza na motema malamu, motema bolingo, motema bonzambe. Opeskaka $1. $1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fete pe lokola bana biso. Vous allez bien, vous avez l'émission de partout, vous avez l'émission de Mbote. Mbote, je suis venu à Chebiso TV. Oui, mais là, mon émission a une réponse à nos questions. Vous avez l'émission de Mbote. Merci. Nanenge bopona chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor na Biso apesi succès, apesi mbongo, apesi nyonso toza nango. To pesi merci mingi na sponsor na Biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor Andima kopé sa biso succès na Chebiso Télévision. Et puis yé mouta sala en sorte que bopé sa biso confiance na mandak na bino. Merci mingi nandeko Elias na prise de vue du côté réalisation. Na komo na pe yé moko na mouni denich monsolo ba assumé montage. Et puis mamou ako sala moussala kitoko. Ba la mike me ba ako sala moussala kitoko. Merci mingi na ba oyo pe ba linga rabiso tembo te na bino. Merci na Orphelina Vida Oyo et kole sa bana bitike balia ba sepela. En tout cas ndeko sa lokola mama Emily ye andimi na ekotia mosolo na ye onje me kasi abeli na motonyo sa motema malamu na $1 na yope oyi kole sa orphelin alia na décembre Oyo. Merci mingi pe na batutu ya mitema mabe mbote na bino malige muta mabe tolinga rabino bino bolinga ka chebiso televizion ke libo sote suke momuni chebiso peli boki boki keto. Donc, si vous avez besoin, vous avez besoin de Zali, de la paix, de la kaka parce que le sponsor est besoin de la paix. Merci, Pé, na Batutu, Bata l'Arabie, qui est Mobimba. Merci, Naba Oyope, Balingarabi, son bote Nabino. Lelo, tu y es, Lissousou, na prophétesse Moko, Oya, Pesa qui message, y a maman Chalamon, Nabo Monaki, mais Kasi Lelo, y est Soussou. Aïe, na message, Nini. Tu peux se faire un bote. Maman, Dina, na paix, son bote. Mbote, papa chic. Sangonin. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout semble là. Seigneur éternel de Dieu, de gloire, de tout puissant, je te bénis pour ces moments, je te recommande ces instants, que ton Esprit Saint nous assiste pendant tous ces instants que nous serons en pleine émission, accompagne-nous, nous ramenons captifs à l'obéissance, tout pensée qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La servante de Dieu, le Toyambio Lissouso, na Chebiso Télévision, n'est pas la chaîne qui vous ressemble. Peuple de Dieu, Barotalayo, message ni n'y a pas. Premièrement, na commission Nzambe pour la grâce Nae, à la Moussibiso, à permettre encore depuis le mois de janvier, 10 décembre, tous à la envie. Je bénis d'abord Dieu. Amen. Mais ce qui m'a encore ramené ici, c'est un message que j'avais vu pendant que je priais. Ok. J'avais vu vraiment un message belé, mais essentiel, je vais parler. Parce qu'il y a des messages où Dieu nous demande de parler, il y a d'autres messages que le Seigneur ne veut pas qu'on parle. Un message Moussou qui reste chez nous-mêmes, que tu puisses intercéder pour ça. Il y a d'autres messages que le Seigneur veut lui-même que tout le baron. Et je suis venu ici, premièrement, c'est par rapport au message du fin de l'année. Ok. Parce que lorsque j'étais en train de prier, je voyais dans mon esprit, j'étais en train de poser à Dieu la question, que le Seigneur m'explique par rapport à mon liliwane koti. Pendant que mon liliwane koti, après comment mon liliwane, j'ai vu le sang. Namoni makila et sopani partout. En RDC, je voyais en fait Baba Kila partout en fait. Là, j'étais en train de poser à Dieu la question, Seigneur, pourquoi je suis en train de voir toutes ces visions? Et Nzamba Zoebsara directement que Batuba Sambela Makas dans ces fins de l'année. Alors toi qui me suis, Nzoebso que tous à la vraiment la carte cette distraction.
Parce que pendant que j'étais en train de voir la vision du sang qui se répandait partout, le Seigneur était en train de me dire, nous sommes dans un moment où le diable est en train de chercher vraiment le sacrifice. Na fin de l'année, oh yo, na moni ba sacrifice makas, na moni bat koukou fa makas, na fin de l'année, non seulement mois de décembre, et zoko ta janvier, ti février. Okay. Et pendant que j'étais en train de prier toujours, que le Seigneur m'explique réellement c'est quoi, je suis en train de voir une catégorie des enfants. Mais na moni bat koukou, mais ming mi na koukou ba, na moni bat koukou ya ba na mikie. Okay. Je suis en train de poser à Dieu la question, Seigneur, pourquoi les enfants? Alors le Seigneur m'a dit, passe à la mission. Il faut dire à toutes les mamans, à tous les parents, passe à la vraiment la case de distraction. Parce que nous sommes dans un moment où le diable a vraiment sacrifice à Yaban et Bélé. Ban et Bélé, on a vraiment une épidémie morobouille. Et on a l'épidémie. Et on a la juste fièvre et rien à mon pied. Mais après, les enfants vont mourir. Parce que, bazo luka ming, ba sacrifice à ban. Surtout, ban a o bazan a ba étoile y a makasi. Je vais un peu expliquer une chose pour les enfants. Il y a un mystère qui se passe avec les enfants. Ils ont la ban a misou babo tabarna ba étoile très. Ba étoile vraiment y a makasi. Parce que diable assiblera toujours bato bazan a kata ba étoile. Bazan a ba étoile, au fait. Comprenez-moi un peu lingala, mais il semble un peu difficile. Non, vas-y, hein. Vas-y en français. Si. Lingala un peu pas si pena pour parler. Vous sentez libre en français, vas-y. Lingala, c'est compliqué, en fait. Quel est nom en français? Le diable aime trop cibler les enfants qui ont des étoiles. Il y a des enfants qui naissent avec leurs étoiles. Okay. Alors, le diable n'est pas trop content avec ces genres d'enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ayaka d'abord que Lukaku bébé sabana wana. Tu vas voir que moi nazamu kie ceux qui parlent dans la case de distraction, bana bazaka risque à repé sabamu va c'est mon sa sorcellerie. Et boye bango ezabana nyo soté batanga mabaza ba sorcier. Tu vas voir si le diable ne réussit pas à ensorceler l'enfant, le diable va permettre que moi la banda roubé la bela pamba pamba. Alors pendant que je priais, Dieu m'a dit ceci. Bazo kote sabana mingi ba malade mingi ya ba diminution sanguine. Bana baza la vraiment na kata hôpital mingi ça juste pour la perte du sang. Ba perdre makila. Alors le Seigneur m'a dit de dire à tous les parents baza la vraiment na kata distraction té parce que le monde des ténèbres vraiment s'élève. Je parle bien décembre, janvier et cotatif février. Okay. Parce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, les chrétiens célèbrent plus dans la prière dans la fin de l'année. Je ne sais pas, est-ce que le diable existe toujours dans la fin de l'année? Est-ce que le diable existe toujours dans le novembre, décembre? Mais je sais une chose, le monde de ténèbres travaille 24 heures sur 24 heures sans le repos. Là, je suis en train d'étiquer le peuple de Dieu que tous à la toujours n'a quatre attitudes à prière parce que monde des ténèbres basant la poste à décembre était pour agir. Parce que aujourd'hui, si tu pars presque dans toutes nos églises, hein, on a des marathons, on a des jeûnes, on a des retraites. Mais moi, je dis toujours, ce n'est pas seulement au mois de décembre ou soit à la fin de l'année que les diables s'élèvent. Mais une chose qui est vraie, on doit toujours beaucoup prier et on doit toujours veiller. Donc, c'est un peu le premier message au Nzambapé Senga par rapport au sacrifice. Namoni ba accident, namoni ba empoisonnement. Alors, je demande vraiment là-bas tout au Bozo Landanga, Bozo la peine à la distraction. C'est parce que décembre, janvier, février, le diable vraiment cherchera à détruire. Et ba koufé koulandama, kasi na kasi 2023. Donc, voilà, voilà. Nabandi, vous venez de dire que Ezali, message à Liboso. Est-ce que message, monsieur Ezali? Exactement. Ah, vas-y. J'attends Naokasi, c'est le deuxième message. Après, Togoko Tanamozindo émission. Le deuxième message encore que je voyais, c'était pour notre pays. Précisément pour l'est du pays. Parce que la semaine passée, le Seigneur m'avait recommandé de faire une retraite de prier pour la RDC. Je pense bien même l'église, bah, et bien haut, même bateau peut toujours prier. Bon, on a un groupe WhatsApp, bah, même si quand j'envoie des sujets de prière, j'envoie toujours le sujet pour la RDC. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Batouba a vraiment la carte de sa prière. Okay. Mais c'est un message qui s'adresse plus au président de la République. Okay. Alors, avec tout mon respect, le président Félix Antoine Tshisekedi, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit ceci de vous dire. Vraiment, pour l'Est,
il faut vraiment que j'ai vraiment temps à prier pour nango. Parce que j'étais en train de voir le sang qui va continuer à couler. Alors Dieu m'a dit ceci. Pour que bitumbona la est ici là, il faut d'abord que notre président atteléma d'abord nos prières lui-même. Il faut asseoir d'abord en considération Gerwana. Parce que je voyais, na moni batu bakoti, na moni basoda bakoti, mais basoda wana bakoti, balati bilamba ya rouge. Ce ne sont pas seulement les soldats, mais ils ont plus d'occultistes au baso cible. Tu sais, na est na biso, ils ont là où ba richesse est belé. Hein? Okay. C'est là où vraiment le, ils ont central, il y a richesse, il y a mboka. Et moi, je voyais des soldats, na unis comme ça au monde d'abord bas soda, mais sur le plan spirituel je le voyais balati bas tenir en rouge, et lorsque balati bas tenir en rouge il cherchait en sorte que bas côte bas récupérer est, et baso le bas bien tant bas côte à kiki ceux qui t'ont gagné est t'auront gagné aussi président. Alors Dieu m'a dit de dire au président de la République, d'abord il faut d'abord que je sois tant vraiment à prier et qu'on soit considération exacte vraiment, il y a guerre au yo. Parce que une fois que guerre, il y a est et continue, boye ba ango guerre et kota si na capitale à Kinshasa. C'est ce que je voyais dans mon esprit. Alors, le Seigneur m'a dit de dire au président de la République, azoa vraiment na moute mané mobimba, en considération na guerre wana ou ezo salamana est. Parce que je vois, ezana nounkie. Ce qui vaut télémité, ça sera encore très difficile. Alors, il s'agit seulement, non seulement de prier, mais il s'agit aussi d'associer des hommes de Dieu pour que Bassambela, afin que Gerwana est ici là. Sinon, 2023, je vois le sang au pays et qu'on risque même Ekotati, na Kinshasa ainsi que ma province Nyonso. Donc voilà. Voilà, message n'a eu au Tioleka. Très bien, mais Ayamboto continue l'émission. Mais tout n'est allé. Batbaro loba mingi ponayo. Tomonyo na ba TikTok, tomonyo na ba Facebook, tomonyo na ba YouTube, ba ou sa l'émission, ba misu spe ba simbi, peut-être vie privée na yo, ministère, ya moi si quelque part, comme on te genon, oza na bitumba ebele, ba tu mingi ba rumi ko bondisa yo, oza, excusez nga na lo bango, oza nanou, nanou vraiment, ok, na age musikate, quelque part, ebang sa rayote, oui, auparavant, ça me faisait peur. Et ben, non, quand j'avais commencé dans les débits, en tout cas, ils allaient qui culpabilisaient moi aussi. Je ne me croyais pas que j'étais dans le bon chemin. Mais avec le temps, quand je priais, Dieu m'a rassuré. Premièrement, d'abord, j'avais eu l'assurance et pas Nzambe. Le Seigneur m'avait rassuré qu'il y aura toujours de critiques, il y aura toujours. Papa Chic. Jésus-Christ de Nazareth, en étant notre Dieu, tant qu'il y a qui awa, il y a même des gens qui acceptent qu'a été. Et il y a aussi des gens jusqu'à leur mort, au barotikala qui acceptent Christ. Alors quand je prêche aux gens, j'ai toujours dit, dans la vie, il existe trois catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ils abatoyo, barotikala kolingaote. Donc même si tu fais des efforts, batona brolingara au jamais. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens au babanda ko applaudir yo pendant que tu es là, mais lorsque tu tournes le dos, bazolo bamabe contre eux. Ce sont des gens plus à éviter parce que lorsque tu es là, balingi yo, bazo encourager yo, bazo applaudir yo, mais quand tu tournes le dos, babandi maman ko bamabe contre eux. Mais troisième catégorie de gens, baza bato ba ko accepte yo tel que tu es. Donc même si tu fais des efforts, il y a la vie na yo, au kutana toujours na ba trois catégories de personnes. Voilà. Ce n'est que normal parce que aujourd'hui débat o ya moi ça que côté à tes en débat et où meli et jusqu'aujourd'hui côté na ba conception na ba mi tout vraiment ça. Mais la Bible a dit, la Bible approuve que une femme ne peut pas prêcher ko kamba bato. Et puis, batwaye singana tout na yo, ozana manzaka, oche kabelo, oche rouge à lèvres, oche ba beauté, oyo peut-être
et peki ça mis la Bible, il y a des versets qui prouvent que moi ça qui coche bichachaté, mais tout mon yo au sein l'ensemble n'a ni on sous un angle n'importe. Est-ce que ça malame? Verset en Bible on va te balobier, mais ça verset ni. En fait, je me rappelle bien première émission, j'avais dit ceci. La pièce qui exemple là, à Reine Esther, j'avais parlé de ça. Papa Chic, d'abord pour servir Dieu, Dieu n'a pas seulement besoin de brosser les bases à la saleté. Non. Non seulement ça. La Bible dit tout s'emparer n'a pas horté, n'a pas bijouté, n'a pas beauté extérieure, mais tout s'emparer n'a pas beauté intérieure. Qu'est-ce que la Bible voulait dire par là? Lorsque la Bible parle comme ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, bazo se contentent naba aspect physique nabango. Ils se contentent à soigner leur corps. Je ne peux pas sortir sans se laver, je ne peux pas sortir sans se préparer, sans se maquiller et tout. Maintenant, la Bible veut expliquer une chose. De la même manière que tu soignes ton corps, c'est aussi de la même manière que tu dois soigner ton esprit. Prépare ton esprit plus que même ton corps. Parce que vanité de vanité, ce corps, un jour, rentrera à la poussière. Mais la Bible n'est pas contre la beauté extérieure. Prenons l'exemple même, Joseph, même tant que Koma Kiba, ministre, ils étaient bien soignés. Même de reine, tout le monde, on a la Bible. Ils étaient très propres. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. La spiritualité n'exclut pas la beauté. Tu sais, il y a d'autres choses. Tu peux être, je parle même d'une femme par exemple. Ils ont la basse misusu, balataka ou bazalara, selon manière yamibal nabango. Parce que ton homme veut que tu sois très belle. Aujourd'hui aussi, ma maman pasteur est belle, j'ai eu un problème à cause de ma rambo. Parce que tu prêches la Bible, donc faut la mythique et tout qu'on soit. Or que tu ne sais pas d'abord, tu es une femme mariée. En étant une femme mariée, sous mythique et tout qu'on soit. Peut-être l'homme ne peut pas te le dire. Et ça, la Bible me souce pour parler que non, ma femme, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a un mon abus pour la porte, c'est belle. Bon, je vais conclure ceci. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. La spiritualité n'exclut pas la beauté. Ndenge tozo s'emparer. Yaromi bongisa nanzoto. C'est la même manière aussi qu'on doit se préparer spirituellement. Donc voilà un peu. Voilà, nabandi oyaki koloba na peuple de Dieu et si le message nayo parce que toke na suka. J'ai un dernier message que je dois dire. Il y a un musicien à Zobeta na stade de martyr. Ok, héritier Watanabe. Oui. Parce qu'il y en a prévu à Beta le 25. Oh. Ok. Pendant que je priais aussi. Au moins, avant on continue, on a rappelé ma musicien. Il ne nous avait pas eu Barabaro. Question de Batouninga trop. Musicien. On doit connaître une chose. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois bouddhiste, musulman. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ok. C'est bon. Dieu qui a créé ces missions profanes. Voilà. Vas-y, alors, un message. Là. Voilà, pour Stade de Martyr, dans le 25, Namoni de gens, Batye Bamakila, partout dans le stade. Et jour Wana, Namoni, comment dire en Ingala, on dirait controverse, mon rebond, problème, mon corps, et Bimi Wana. Et problème on attend le bimi, ngambonyon soyez un moto artiste. Ok. Ouais. Alors, c'est que moi je dis au peuple de Dieu, il faut toujours être prudent. La morning ngambonyon c'est quoi un moto artiste? Tu comprends le message bien tes moto mais qu'un peu que ça un peu clair. On se réserve un peu trop hein. Donc ça veut dire que likamwekoya joue à concert. Oui. Kamore koya vraiment ma casse. Et que ça la na moto ya héritier Watanabe. Oui, ya moto artiste et que ça la vraiment nion sur la moto nae. Je vis des gens pleurer. OK. Na moni batu baleli. Bat bazo lela. C'est un sacrifice au bat baza pour ces salem. Pour ba mimisa artiste ngamo. Oui.
Alors tout le monde, je ne peux pas condamner les gens, mais si toi tu veux aller dans ma consoeur Wana, selon conviction Nayo, je peux te dire Zala prudent, puis Zala attitude à prière. Donc voilà, parce que Namoni Mabe, Namoni Batbabimi na stade Wana mais Baleli, Missus Bawo Sepela, Missus Bazo Lela. Et après que Lela Wana problème, on a tout écoué dans mon tour artiste. Étant écoué dans mon tour artiste, ils ont comment repréparé et pas proche naï. Azan a l'un de ses proches, Azo monté ou comme il a évité. Alors, en étant créature de Dieu, je veux dire aussi à l'artiste, Azala très prudent, n'a pas proche. Azala très prudent, n'a pas tout, Azo a pémé naï. Donc, voilà un peu. On a un peu trop de réserve là-bas, si j'ai mal. Donc, message en donc, ça veut dire que mon proche, il y a héritier Watanabe, il a planifié, ceux qui n'ont pas compris, il a planifié et il a commencé avant, jour à concert, pour être à Mémissa, artiste Ngambo. Exact. Ça veut dire que proche, dans les 40 ans, il a planifié ma camoufle. Il a payé mon rote proche, il a associé Batindien et Otinda. Ok. Batindien et Otinda, il a battu Missousou, pour que Lukaka ait quoi ça. Ah, d'accord. Donc voilà. Merci. Tu as vu l'émission de Bisso. Tu vas retenir la réunion sur Tolobi. L'émission de Lélo. Et puis, tu vas retenir la réunion. Beaucoup de gens se plaignent. Maman prophétesse. Si tu as vu l'émission, c'est très difficile. Tu vas retenir la réunion. Parce que j'ai reçu plusieurs appels. Il y a tu vas retenir la réunion. Pour la réunion. D'accord. Sur ça, je vais parler une chose. Bapel ezo kota ebele nambala moko donc eza esprété ba ba réclamant trop sauf que il y a des appels qui entrent à tout moment mais nazo salaka est fort ceux qui n'assistent qu'au solana batuna rappela rabatu alors c'est que moi je peux dire na bato bazo binga bazo zwanga te baza la passion parce que ngamoko nazo rappeler ba on na moni bapel à insistance nazo rappeler mais il y a des fois aussi une somme de humains. Parce qu'en dehors d'autres pasteurs, toi, Mbram, tout ça, là aussi, on a des affaires, on a du travail. Et là, on peut battre un peu, il faut battre un peu. On peut occuper le bengang ou écrire moi. Soit au monde qui n'a pas battu, soit patient, je veux répondre. Ok. Donc, voilà un peu. Voilà, maman Dina, le numéro de téléphone, c'est le 0 00243 82 429 1441. 82 429 1441. Voilà, merci beaucoup Nandenge Oyaki na Chebisho Télévision. Donc Nabandi Torozano moi mingi Mikoloyo et ça abisso bien. Merci Naba Oyo Bazaki Libako Yota Labisso na Chebisho Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci Naba Oyo P Batala Rabisso Tebo Konsu Kota Labisso, Ota l'émission, ou se peut nango partager pour être motomosu soupe à l'anda yango. Bino baibo mesala ngota la biso ba abonné na biso ya Chebisho Télévision. Merci beaucoup na ndenge boza fidèle na chaîne oyo Chebisho Télévision. Merci na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation. Je vois également Denis Mosolo et Elias. Je pense également à maman Emily depuis Canada et son orphelina Vida oyo ya kusunga bana bitike balia ba melaba sepela. En tout cas, ça la loco la montonion soit indi 1 dollar naye hein tous les sabana wana na décembre oyo numéro ezali wana ya MPSA ya Airtel Money partout dans le monde oui côté na mbongo na MPSA et comment langue c'est possible ce que moni pe que otinda ba besoin ba coordonner voulais je dire ou bengi biso to ko pe ça ba coordonner pour être au sunga banda wana bali na décembre oyo. Merci pe na ba oyo ba loko kabiso oyo balinga kabiso te bato keto bato kindoki wana biso to lali pongi bango ba pumbwe wana bazi ba pumbwe na nini na posonguba wana biso to lali ba okene ba lie misunya bato na bututi ba logi logi ba meki biso ba moni biso te po ba mona kama kila Yesu Kristo. Donc mbote na bino batamita mabe bo continue kindoki na bino mais nazana liga mukomso botika ngo parce que suka na ngo ezali. Merci pe na ba oyo pe balinga kabiso batika kabiso na ba prière. Merci Nabino pour continuer à consommer Chebisho Télévision. Je pense également à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Merci
tokuta ni mbala sima suki Yesu Kristo azongite. Bye bye. Ndikuna ngai oza kongole ulinga kamboka ona. Ulinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisa la pepa. Mutoza na mtima mawa. Oya sana bozwi. Ateya mukie tosunga orphelinat vida na 1 dollar a pamba. Bana balia balala bien, bamela bien. Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyoso. Bana mukino mobimba to soutenir. Bana na kati ya orphelinat vida na 1 dollar ya pamba nzambe ko pambola yo. Ako zongisela yo ebele pona nini oye ko soutenir orphelin. Na 1 dollar na yo na 1 dollar na biso. En tout cas eko liesa bana bitike po ba fete na décembre oyo. Orphelinat vida baza na posa na biso. Nenge bana biso ba vivra na ndako. Nenge pe bana ya vida il faut ba vivre. Yo muto yo ka mama. Parce que jusque là ba toma ba silati. 1 dollar seulement. Franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la musuta ba orphelin. Ba fete bonne année neti kaka bana nyoso. Ce qui te sangani ba te belle na ba 1 dollar na biso via bana wana ba kolongola na mutu na banki bazara na ba parenté. Alors ce qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini. Orphelinat vida bazana posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Kaza kusenga la bino oza na motema malamu motema bolingo motema botambe opeska ka 1 dollar 1 dollar pour na ko permettre bana na biso ba orphelin ba fete pe ko la bana nyoso.